Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Robocraft, une rediffusion d'un live Twitch. Et je me fais tirer dessus. Oh, oh d'accord, voilà pourquoi Skinoroid. C'est parce que c'est le robot qui l'avait l'autre. D'accord, ok. Et Citronix, on évite les messages comme ça, s'il te plaît. Oui mais non mais moi je te dis je suis dans le je suis sur le Discord de la communauté des créateurs de Robocraft, la Robominity. Alors je sais bien qu'on peut avoir plusieurs Discord, y a pas de souci hein. Mais c'est pour Aïe. Aïe, ah bah je me suis fait rect, c'est cool. Par contre, je vois du coup qu'il y a plein de robots. Oui, j'avais remarqué que tu l'avais, j'ai compris que c'était ça que tu voulais me montrer. Est-ce qu'il va y avoir des ennemis volants? Hop. Le problème c'est que je sais pas jusqu'à quelle hauteur je peux grimper avec ce robot là, on va aller voir. Bonjour Bouddha, bonjour Eleven. Au passage, vu que je vous vois. D'accord, il y a bien des gens. Ah bah non, je pensais que tu te raccrocherais. Oh mais c'est une araignée à deux balles. Allez, grimpe. Ah bah de toute façon, elle a que 4 pattes déjà de base, donc c'est pas vraiment une araignée. L'araignée. Est-ce que vous avez tous vu le... Oh, mais non. Est-ce que vous avez tous vu le trailer de Spider-Man Homecoming? Pas mal du tout, apparemment, hein. Bah attends, parce qu'apparemment, on va peut-être pas passer sur le Vulture, on va peut-être plutôt passer sur le... Ah mais il grimpe à rien ce robot. Allez grimpe, hop, voilà. Allez, hop. Oh non. Waouh, il snipe. Mais c'est quoi ces mecs en face? Là je crois que c'est une vraie team en face en fait, tout simplement. Oh là 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 là. Je vois pas qui c'est Alassane, hein, mais... Par contre, Kiwim, comment ça se fait que tu passes autant de temps dans le chat du live alors que t'es censé jouer? C'est pas bon, hein. Ah! J'ai clairement pas pris le bon robot, il est trop petit! Ah! Un petit peu de heal? Non, attends, je sais que t'en as pas sur ce robot-là. D'accord. Alassane est un ami de Monsieur Kiwix. Recule pas dans mes fesses! J'ai pas pris le bon robot! J'ai pas pris le bon robot! Allez, on marche que d'un seul homme. Par contre, je marche pas très vite. Je vais mettre un go. Comment ça, un go? Ah, dans le chat? De quoi tu parles, monsieur Bouddha, le retour? Ah bah moi je suis mort.
Voilà. Bon, j'ai pas pris le bon robot, hein. Ce robot-là, il fonctionne pas. Tu pourras pas jouer avec moi, Bouddha le retour. Je suis désolé, ça marche plus comme ça, le jeu. Maintenant, il y a un matchmaking qui fait que si vous n'êtes pas dans un groupe, par exemple, on a des groupes de 4 maximum. Si vous n'êtes pas 4 dans votre groupe, normalement les groupes de 4 ne jouent qu'avec d'autres groupes de 4, etc., etc. Enfin, le plus possible. C'est comme ça qu'on soigne le matchmaking. Du coup, je doute. Ah, mince, on se fait rect. On se fait rect! Hop. Ah, apparemment, il y a un volant. Non? Vous tirez sur quoi? Oh! Je l'avais pas vu. Bon, bah, ils l'ont eu. Non? Ils l'ont pas eu. Oui! Je suis niveau 4! Ne me suivez pas, je flanque! Hop, bon. Plus personne me voit, plus personne m'entend, plus personne me sent. Mais je vais me faire griller, monsieur Skinneroid. Tu devrais aller tanker, t'es censé être tanky. T'es censé être tanky, monsieur Skinneroid. C'est pas bien. Plus personne qui vole dans l'équipe en face, c'est chiant. Ah, par contre, peut-être qu'ils vont venir en volant. Ça peut être rigolo. Venir voir Monsieur Skinneroid en volant, c'est peut-être une idée. Ah, on a plus de tour, Monsieur Skinneroid. Monsieur Skinneroid, ça pue! Ah, qu'est-ce que je disais? Et c'est forcément pour ma gueule. C'est Monsieur Skinneroid qui vient foutre la merde, mais c'est moi qui prends. Wouhou! Pourquoi c'est moi qui prends? Bah tant pis. Soyons honnêtes, j'ai pas le bon robot du tout. Ce robot ne fonctionne plus. A-t-il déjà réellement fonctionné? Il est rigolo, hein, mais... Bla, non, marchera pas celui-là. Hop. De toute manière, je ne fais pas assez de dégâts. Mais pourquoi tu m'attaques? Je suis même pas un danger pour toi. Je suis même pas un danger pour toi. Ah bah oui, ça sent la défaite, là. J'ai pas pris du tout le bon robot. Clairement, là, ça se sent. Je suis le dernier du groupe. Le robot n'est pas bon. Le robot n'est pas bon. Je répète, les saucisses sont cuites. Je répète. Le steak est haché. Je répète. Je vais encore être rect. Je répète. Je suis mort. Voilà. Bon. Non, pourquoi? Qui a mis non? Qui a mis non? Qui a eu la stupidité de mettre non? Rect. Voilà. Salut. Oui! Je reviens! Et je repars!
Merci le jeu qui me fait spawn devant le les deux ennemis qui arrivent en face de la base. Et moi je peux pas. Non, je peux pas. Ça va pas le faire, j'ai pas pris le bon robot du tout. Tu n'es pas rect, GG. Bon. Alors, on va prendre appui sur ce robot pour en faire un, sans doute, un jour. Mais on va pas le garder, celui-là. Par contre, ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est aller voir vite fait si on trouve pas un autre robot anti-air. Bonjour. Je gagne pas mon level, là je me doute, hein. J'ai pas fait beaucoup de choses là, hein. J'ai, et voilà, j'ai 7000, 6000 points à peine. Hop, oh, ah si, c'est la boîte rouille, ils ont mis le nom rouille. Ok. Le niveau rouille, c'est le niveau humiliation. Celui-là, au revoir. Crac. Usine, vite fait, hein. Je fais ça vite fait, chers amis, pâte d'insectes. Toute arme anti-aérien, voilà. Non, non, on va même pas mettre ça comme ça. Voilà. D'accord, donc non. Un rose fall, non. Me tente pas. Ça, c'est stylé, mais non. Enfin, stylé, tout est relatif. Spider-Man, non. Shred Zone, Sentinelle. Il est sympa. Il est vraiment sympa. Pumpkin. Non. Aircraft Destroyer. Ah. Ah. Bah ça. Ça me plaît. Hop. On y retourne. Il n'y a pas de place dans la partie, je suis désolé, monsieur Robin le Geek. Ah oui, ton spam flak. Alors attends, je vais aller voir ton spam flak. Kiwim. Joueur. Ah bah. Pourtant, je l'ai bien écrit. Ah oui, mais. C'est parce que. J'ai mis pas d'insectes, j'imagine. Ah oui, non, non, ça c'est moche. Ça, je suis désolé, ça c'est absolument laid. Hein. Y a pas de souci, je le prendrai pas. Désolé. Hop, on y va. Battle Arena, on y retourne. Ah oui, go. Mais tu sais, après, monsieur Bouddha le retour, techniquement, quand je tag, quand je suis prêt à partir en game, il y a la grosse croix verte qui arrive en haut à gauche dans le groupe, plus un effet sonore. Écrire go en plus, c'est peut-être pas nécessaire. Oh là 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 là, le nom, Eliama. Elia Manifaisal 8. Oh là là. Non, j'ai pas envie de faire du TDM. J'ai clairement pas les robots pour faire du TDM. Je préfère justement faire. En espérant qu'il soit efficace, monsieur Bagzi. En espérant. Alors. C'est parti. Bon, visuellement, c'est pas le plus beau des robots, mais j'aime bien le principe, en fait. Il va se pencher en avant, ce machin-là. C'est pas possible. What? Ah, il marche plus, ce robot. Il marche plus. Et pourquoi tu viens me pousser? Ah mais. À moi.
À moi le kill. Allez, voler! Voler qu'on rigole! Ah d'accord, il va voler qu'à la fin quand il aura tous les points. Pourquoi pas? Hop, dégagez. Hop. Se passe pas trop mal. Ok, j'ai eu mon côté. Monsieur Skinneroy, tu tires pratique? Ah, je suis spotted. Je suis spotted, ce qui n'est pas bon. Allez-y, monsieur Skinoride, prenez le point! Prenez la tour! Parfait, monsieur Skinoride. Parfait, vous êtes parfaitement parfait, monsieur Skinoride. Problème étant que ce robot ne vole pas. Ce jouet ne vole pas, comme il dit dans Toy Story. Bonjour. Il est même tellement lourd que niveau poids, c'est un peu la dèche. Ouh là là! Je vole! Plus ou moins. Hop. Voilà. Au revoir, monsieur. Il était un petit peu faible, ce canon à l'avant. Ah! Je peux pas m'envoler. Faut que je prenne beaucoup d'élan si je veux m'envoler. Je pousse. Je pousse, mais j'en chie. Mourez, monsieur, mourez, voilà, merci. Hop. Crac. Et ben il est rigolo ce robot, même s'il vole pas. Il est pas très efficace en fait, finalement, sur ce qu'il était censé faire. Normalement, c'est censé être un anti-aérien, mais le problème, c'est qu'il est censé en fait pouvoir suivre les aériens. Mais en vérité, il peut pas vraiment. Il peut même pas grimper au mur, on va dire. Ah! Il est un peu moisi. Bon vol, Titou clic clic. Amuse-toi bien. Aïe. Hop. Voilà. En douceur. Ah, j'ai été spotted, je crois, non? J'ai cru entendre quelque chose. Merci. Voilà. Y a pas de souci, madame. Moi, je vous repère. Hop. Crac. Bon, y a quand même un gros problème de d'équilibre sur ce robot. Il est beaucoup trop lourd.
Il est beaucoup trop lourd. Hop. Hop. Ah, j'ai perdu des choses à l'avant. J'ai perdu des pattes à l'avant. Quel dommage. Le problème, c'est qu'il n'y en a plus un seul qui veut bien voler maintenant. Ah! 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 Hop! Régène! Régène! Samson, qu'est-ce qui t'arrive, Samson? Ah, je suis tout seul. Ah, je me fais rect. Voilà, je suis rect. Ah! Ah! Bon, il n'est pas efficace. Au revoir, Titou, clic, clic. Bah surtout qu'en fait au niveau de leur base ils ont tellement de points pour se mettre au sol que... Attends, j'ai déjà du mal à m'aider moi-même alors bon... J'arrive à peine à voler. Ils commencent à comprendre que en volant maintenant ils se font rect. Du coup ils restent au sol. Je vais essayer de grimper sur leur là. Allez. Allez, pousse robot. Pousse robot. Oh, les pentes à 90, il aime pas. Hop. Hop. Allez, on remonte. On remonte. Bah ça se passe assez bien hein. Mais le robot est encore une fois pas trop accurate. Game best word, you just want something. The right to be banned. Banned, pardon, excuse-moi. Je parle très très mal anglais. Hop. Much better like this. So much better like this. Parce que oui, je parle français comme une... Je parle anglais comme une vache espagnole. Non, j'ai un très très bon anglais écrit. Cependant, j'ai tellement horreur de mon propre accent que j'évite de mettre de l'accent dans ma voix. Comme ça, je suis sûr et certain que les gens comprennent que mon accent, il est pas bon. Ok, 158, génial. Bon,
Et une proto. Ah bah non, ça va pas être... Ah si, c'est le dernier niveau, pardon. Excusez-moi, c'est moi qui dis du caca. En fait, c'est limite dégueulasse d'obtenir... D'être déjà à ce niveau-là à la fin, parce qu'en fait, on gagne pas autant de protonium, et en fait, avec les protonium, on a plus de chances d'avoir des légendaires. Enfin bon. Là, pour l'instant, on est fou. Alors, là, le robot, alors le combat, je vais mettre 0 et 0, parce que... Il n'est pas fonctionnel. Ça m'embête, mais il n'est pas fonctionnel. Du coup, je vais retourner voir. Pâte d'insecte. Anti-aérien, qu'est-ce que j'ai? Alors ça, je l'avais vu, mais ça m'intéresse moins. Scorpion X. C'est pas mal. C'est pas mal. J'ai déjà un sniper, cela dit, mais... C'est peut-être pas si mal. Je vais l'acheter pour la forme, on le testera. Hop. Monsieur Skinoroid laisse sa place. Donc à mon top, le premier qui met son nom. Top! Allez-y. Monsieur Skinoroid, le problème c'est qu'il faut pas... Faut dégroupe avant. Et après vous mettre hors ligne. Parce que sinon on est obligé de refaire le... Ah bah c'est bon, c'est bon. Ça, c'est bon. Le top est lancé, le top est lancé. Pour vous, ça va aller très très vite. Non, il n'y aura pas de ligue. Le premier nom que je vais avoir vu. Il y a un décalage, hein, vous inquiétez pas, il y a un gros décalage. Oh là là, vous m'aidez pas. Si je me suis trompé. Alors, Elia Manifaisel. Elia Manifaisel 8. Ah, j'ai mis 6. Alors, excuse-moi, là, c'est pas une erreur dans le nom. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Et il accepte pas. Il accepte pas. Poupi, 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 pou. Eh bien écoutez, chers amis, du coup, je pense que là, pour cet épisode, en tout cas, on va se laisser. Merci de l'avoir regardé. En tout cas, n'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Ah, en fait, non, mais... Je viens de comprendre un truc, en fait. Mon logiciel ne me dit pas combien de temps j'enregistre, mais combien de temps j'ai... j'ai streamé, ok, c'est cool. Bon, bah, c'est pas grave. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, mais le live continue. À plus les gens.